Elle est convoquée au tribunal pour une infraction qu'elle n'a pas commise. Un couple âgé arrive devant le juge. La femme lui dit « Voici mon mari, j'ai eu l'amende car il conduisait ma voiture. Je ne suis pas coupable, c'est lui le coupable. » Elle explique au juge ce qu'il s'est passé. Elle reçoit donc l'amende par la poste. Alors elle lui demande « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Il dit « En tournant à droite, j'ai brûlé un feu jaune. » Alors sa femme lui dit « Tu as brûlé un feu jaune ?» Il répond « Oui. » Alors sa femme lui dit « Nous ne paierons pas et nous nous battrons contre ça. » Ils ont regardé la vidéo où il a grillé le feu jaune et on remarque sur la vidéo qu'il n'avait pas grillé un feu jaune mais bien un feu rouge. Le juge demande à la femme « Est-il coupable selon vous ?» La femme lui dit « Après avoir bien regardé la vidéo, si j'étais policier, oui, je pense qu'il est coupable. » Ensuite, ils analysent pendant combien de temps l'homme a grillé le feu rouge. Ils remarquent qu'il a grillé le feu rouge pendant 3 dixièmes de seconde. La femme dit « 3 dixièmes de seconde, ce n'est pas beaucoup. » Le juge lui dit « Mais vous venez de dire qu'il était coupable. » Le juge explique ensuite que la loi qui a créé cette infraction permet à 2 dixièmes de seconde de passer à travers le feu rouge. Sauf que là, il avait passé 3 dixièmes de seconde. Le juge dit à la femme « Vous êtes le juge. Est-ce que vous lui laissez le bénéfice du doute pour 1 dixième de seconde en plus ?» La femme dit « Je vais lui laisser le bénéfice du doute. » Et il doit m'emmener à dîner. C'est le deal. Le juge demande « Et vous, monsieur ?» L'homme répond « Je suis d'accord avec elle. » Puis le juge conclut « Je vous laisse le bénéfice du doute. » C'est vrai qu'il y a une très petite marge entre 2 dixièmes de seconde et 3 dixièmes de seconde. L'affaire est rejetée.